Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode très simple et pourtant si efficace pour faire un reset de votre système nerveux. Alors, c'est une méthode, vous verrez, certains d'entre vous probablement vous la connaissez et pour d'autres, ce sera une découverte. En fait, c'est une méthode, je trouve, qui est voilà, tellement simple, tellement pratique que j'ai envie de vous la partager aujourd'hui. Alors, un reset de votre système nerveux, c'est-à-dire qu'il va venir rééquilibrer votre système nerveux. S'il y a en fait trop d'anxiété, de stress, ça va vous calmer. Si au contraire, vous êtes ce qu'on appelle en hypoactivation, donc plutôt dans un état de déprime, j'ai envie de rien faire, j'ai pas d'énergie, je me sens tout mou, toute molle, j'ai aucun élan, etc., ça va un peu vous booster. En fait, ça permet en fait ce rééquilibrage. Alors, cette méthode, vous la connaissez peut-être de nom, au moins, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une méthode qui a été créée par le médecin québécois David Hoer, parce qu'en fait, il s'est rendu compte ben, que notre respiration, vous verrez que c'est une méthode de respiration, est liée à notre état du système nerveux. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde quelqu'un respirer, on peut avoir des indices sur son état dans lequel il est, puisque notre respiration est liée à notre état interne. Donc, par exemple, les personnes, quand on a une respiration plutôt thoracique qui va mobiliser la cage thoracique, donc avec les poumons, hein, bah, ça va être en fait une respiration qui va plutôt tendance à activer notre système nerveux sympathique, donc l'état de stress, hein, alors avant le stress, ce sera plutôt un état d'éveil, je suis bien éveillée, je suis un petit peu alerte, voire je suis stressée, voire carrément anxieux, si la respiration en fait s'accélère et est courte, hein, c'est pas, de toute façon avec la cage thoracique, on a du mal à, enfin il faut vraiment se forcer à avoir une respiration ample, mais c'est un peu difficile, souvent ce sont des respirations courtes et rapides, et là on est plutôt en état d'activation. Alors que vous avez peut-être déjà observé, les bébés, eux, l'ont encore très bien, c'est une respiration ventrale, où on a le ventre qui se lève, qui se soulève et qui s'abaisse. Quand on respire en gonflant notre ventre et puis en rentrant le ventre de nouveau à l'intérieur vers la colonne vertébrale, cette respiration ventrale aura tendance à, déjà, elle peut être beaucoup plus ample et elle aura tendance à nous calmer, elle est calmante. Et donc, quand quelqu'un respire tranquillement par le ventre, il est en fait dans un état de sécurité, un état serein où il est détendu, relaxé. Alors qu'une personne qui va être dans la respiration thoracique, ça va être un état plutôt de stress et d'anxiété, voire carrément la respiration coupée, où on a des apnées. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que parfois elles sont concentrées sur quelque chose. Alors, pardon, je vois qu'il y a du soleil dehors. Parfois elles sont concentrées sur quelque chose et elles ne se rendent pas compte qu'elles respirent plus, en fait, tellement elles sont happées par ce qui se passe. Et en fait, ben, je suis perturbée par le soleil, je crois que vous ne me voyez plus très bien. Je vais faire comme ça, voilà. Hop. Donc en fait, cet état d'apnée, ben là, on est même dans un hyper-stress. Quelque part, on respire plus, on retient sa respiration, quoi. Voilà. Une sorte de suspense. Et donc, pour revenir à cette cohérence cardiaque, ben, en fait, ça va être un exercice de respiration parce que le génie, quelque part, avec cette méthode, c'est que, ok, peut-être que mon système nerveux, en fonction de son état, il influence ma respiration, mais en fait, si moi, consciemment, je reprends le contrôle de ma respiration, par un effet inverse, je vais aussi reprendre le contrôle de mon système nerveux. Et c'est ça qui est hyper intéressant, juste en respirant, finalement. Alors, je vais vous expliquer la cohérence cardiaque et à la fin, je viendrai sur ses effets sur le court et le long terme. Mais en fait, la cohérence cardiaque, c'est respirer par le nez pendant 5 secondes et puis expirer par la bouche, idéalement par la bouche, pendant 5 secondes également et faire ça pendant 5 minutes. Donc, ça paraît très simple. Ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, bah, ils ont un petit peu des difficultés parce que 5 secondes, en fait, c'est long. Hein. De manière naturelle, on ne respire pas pendant 5 secondes et on n'expire pas pendant 5 secondes. Donc, ça peut être assez long.
Mais plus on s'entraîne, plus c'est facile. Au début, on peut faire 4 secondes si c'est vraiment trop difficile pour soi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à l'inspire, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on inspire, on active légèrement notre système nerveux sympathique. Donc ça va, on va aller légèrement en hyperactivation dans cet état léger de stress ou en tout cas d'éveil et d'activité. Et à l'expiration, quand j'expire, j'active mon système nerveux parasympathique. Donc là, je vais dans la détente, le ralentissement, je retourne dans pas l'hypoactivation, mais plutôt la détente. L'état de sécurité, je suis serein, je suis bien. Et ça, à chaque fois qu'on respire. Et donc, en fait, la cohérence cardiaque, ça permet d'avoir autant d'inspiration que d'expiration et assez longtemps pour toujours à chaque fois retrouver cet équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Donc si je suis trop dans le sympathique, ben en fait là ça va me forcer à descendre et à être plus dans la détente. Et si je suis trop dans le parasympathique et que je suis même en hypoactivation, ça va me forcer à me remonter, à me booster quelque part. Ok? Bon, je vois que le soleil revient. On va rester comme ça. Donc, on fait ça pendant 5 minutes et idéalement, on peut le faire 3 fois par jour si on veut vraiment voir les effets sur même au moins une semaine, 2 semaines, 3 semaines, après autant de fois que vous voulez. Parce que la cohérence cardiaque, sur le moment, en faire 5 minutes, ça va permettre de nous calmer si on est stressé et ça va avoir notamment des effets sur le court terme. Alors, il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, parce que parfois j'ai des personnes justement anxieuses qui me viennent me voir, un des premiers exercices que je peux proposer parfois, c'est la cohérence cardiaque, notamment quand c'est des personnes qui n'ont jamais vraiment fait de thérapie ou qui n'ont jamais vécu ce que c'est que d'être détendu ou qui ne se souviennent plus ce que c'est d'être dans ce moment de détente profond. En fait, ça va de nouveau permettre de goûter ce que c'est que, ah, quand je ne suis pas dans le stress, comment est-ce que c'est? Réenregistrer cet état de détente quelque part, le réancrer. Donc la cohérence cardiaque, comme première approche, c'est bien, ça ne va pas suffire pour résoudre l'anxiété sur le long terme. Par contre, au moment de phase d'alerte, au moment de pic de stress, ou juste pour réapprendre ce que c'est que d'être détendu, c'est top comme... Je vais essayer encore, voilà. On espère que le soleil va plus nous embêter. Donc, pour l'anxiété, c'est très bien. Et ce qui va se passer, et ça j'explique bien, c'est que quand on est en parasympathique très haut tout le temps, si je fais une cohérence cardiaque et si elle est bien faite, parce que évidemment il faut savoir bien la faire, mais si elle est bien faite et si je suis stressée, je le sens quand elle est bien faite, parce que tout d'un coup, c'est souvent après la quatrième, voire tout à la fin, la cinquième minute, il y a comme quelque chose qui lâche dans mon corps. Déjà, je peux me sentir bah, tout d'un coup hyper détendue, je sens mes muscles qui se détendent, qui se relâchent. Je peux avoir aussi une vague de chaleur, une vague de bien-être dans mon corps. Et en fait, pourquoi ça fait ça? C'est parce que mon système sympathique du stress, il est obligé de lâcher, donc il descend. Et à la place, qu'est-ce qui va monter? C'est mon système nerveux parasympathique ventral, donc le système de la détente et de la relaxation qui est obligé de monter. Donc en fait, quand je fais une bonne cohérence cardiaque, je force mon système nerveux à se détendre, à se lâcher, à se rééquilibrer. C'est vraiment forcé à travers la respiration. Et c'est pas mauvais de forcer, surtout quand on est bloqué là-haut en hyper stress, hein. Au contraire, c'est bien de. Voilà, c'est un effet anxiolytique, finalement, la cohérence cardiaque. Donc, quand je fais ça, je vais me détendre. Et donc, si je fais juste une cohérence cardiaque, va y avoir déjà des effets sur le court terme. Donc, ça va pas durer très longtemps, mais il y aura des effets sur le court terme. Ces effets-là, ça va être ben, notamment comme je force mon système nerveux sympathique, ma réaction du stress à se couper pour me mettre en parasympathique et à être détendu, ben, je vais couper la production de cortisol, enfin diminuer à une production normale de cortisol s'il y avait en fait beaucoup de cortisol à cause du stress qui était produit. Ça va diminuer donc mon taux de cortisol et souvent à côté va y avoir une augmentation de la DHEA qui est une hormone aussi produite par les glandes surrénales et qui est une hormone anti-vieillissement pour la réparation aussi cellulaire, etc. Donc c'est hyper intéressant déjà.
Également, on va avoir cet effet de détente. Ça peut aider à avoir peut-être moins de douleurs musculaires quand on a un muscle très tendu. Tout simplement, comme on fait une bonne respiration, des bonnes inspirations et des bonnes expirations, ça va augmenter l'oxygénation du corps. Donc pour ceux qui respirent mal, ça, ils vont le sentir parce qu'ils auront plus d'énergie après. Comme j'ai plus d'oxygène dans mon corps finalement, donc plus de l'oxygène, ça permet hein, d'avoir de l'énergie, donc plus d'énergie pour mes cellules, etc. Il y aura aussi une augmentation de l'ocytocine, hormone du bien-être, de l'attachement, de se sentir bien, en sécurité. Hein, il y aura une augmentation de ça. Et puis au niveau de l'électroencéphalogramme, on peut voir en fait une augmentation des ondes alpha, donc les ondes de la détente, de la méditation, de la relaxation, et une diminution du coup de ces ondes bêta, les ondes du stress, les ondes high bêta notamment, hein, du stress, de cet état d'alerte, etc. Donc ça c'est pour le court terme. Maintenant, si vous pratiquez la cohérence cardiaque sur un plus long terme, donc à raison de 3 fois par jour, sur plusieurs semaines, vous allez voir aussi d'autres choses. On peut observer une diminution de la pression artérielle, évidemment, hein, une diminution légère des troubles anxieux, des troubles de l'humeur aussi, quand justement ça va rééquilibrer le système nerveux. On a vu aussi que ça peut diminuer les risques cardiovasculaires, de maladies cardiovasculaires. Et puis quand vous faites une cohérence cardiaque, ça met en fait tout votre système nerveux aussi profondément au repos, votre cerveau également. Et en fait, ça va tout simplement permettre d'augmenter après votre performance, notamment d'augmenter, d'avoir une meilleure cognition, une meilleure mémoire, une meilleure concentration, de faire moins d'efforts, parce que vous avez fait un bon reset, une bonne pause à votre cerveau. Si au travail, vous ne savez pas quoi faire, lâchez le café, lâchez les écrans, lâchez les pauses où vous regardez vos emails, faites une bonne cohérence cardiaque, ce sera beaucoup plus efficace pour repartir ensuite. Voilà. Je vais vous mettre avec cette vidéo, donc sous la vidéo, un lien pour parce qu'il y a des sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous avez plein de vidéos. Il y en a une que j'adore, donc je vais vous la mettre parce que le fond, il y a des belles montagnes. Pour ceux qui savent, je suis fan de la montagne. Il y a probablement aussi des vidéos qui existent avec la mer ou les sons des vagues pour se détendre. Et puis vous avez la fameuse application RespiRelax qui est très connue. Pour l'avoir sur son téléphone et le faire depuis son téléphone. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.